Je vais m'adresser à ceux qui pensent que moi, Damaro, je suis hautain. Voilà. Ici à Philadelphie, je n'ai que quelques amis seulement. Je peux compter peut-être 3 personnes. Je n'ai que 3 amis ici à Philadelphie. Je ne vais pas chez quelqu'un. Voilà. Même mes amis là, ils peuvent témoigner. Je n'ai jamais mis pied chez un ami. Je n'ai jamais mis pied chez un ami. Donc ceux qui pensent que oui, moi je suis hautain. C'est-à-dire quand ils te voient, tu rabaisses. Et après pour te manquer de respect. Moi je ne suis pas dans vos conneries. Moi je respecte. Quand quelqu'un me respecte, tu me donnes 1, je te donne 10. Ou je te donne même 1000. Mais tu me manques de respect, je vais te manquer de respect. Tu me manques de respect, tu me donnes 10, je te donne 1000. Voilà. Donc, avec la mot, nous avons fait un balai. 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 Mais ceux qui pensent que oui, qu'ils vont marcher. Abe, ils l'ont envoyé là. Na Pékin, assez, ils ont fait. Non, 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 ils ont fait un balai. De Djamayeno. Et bien, Bouyana, Bibouyana. Quand tu me respectes, je te respecte. Si vous voyez que jusqu'à présent, les bandits là n'arrivent pas à me faire du mal. Parce que j'étais avec quelqu'un, Aina Ouyela, quand j'étais avec quelqu'un, à l'époque, vous avez vu ce qui s'est passé, malgré leur complot. Parce que c'était d'avoir des informations. Quels sont ceux qui nous remontent les informations ici? Mais quand Dieu aime quelque chose là, personne ne peut gâter cela. Dieu a fait que moi, je me suis séparé avec mes ennemis. Aujourd'hui, qui va me dire qu'il m'a vu en boîte? Non. Qui va dire ici aux États-Unis, une fille, que je suis la copine de Damaro? Non. J'ai des amis. Filles, beaucoup. Mais personne ne dira que oui, Damaro, c'est mon copain. Parce que, arrivé à un certain moment, moi, je sais ce que je veux. Parce que, ils veulent passer par tous les moyens me faire tomber. Maintenant que je suis seul, tranquille dans mon coin, moi je vis tranquille. Je fais mon Uber, je rentre à la maison. Même la nuit, je ne sors pas. Ça, je vous le dis. Parce que si vous voyez que jusqu'à présent, il y a d'autres même ici, on m'appelle. Hey, Damaro, je vais te voir. Si tu ne peux pas me parler au téléphone, c'est ton problème. Mais vois pourquoi. Donc, c'est pourquoi il y a des grands aujourd'hui, ils disent que je suis hautain. Voilà, dites que je suis hautain. Vous n'allez pas me voir. Je n'ai plus confiance aux gens, je vous l'ai dit. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Moi, je vous ai dit une chose. Si je suis sur le mensonge ou je prends de l'argent avec quelqu'un pour venir dénigrer, Dieu seul est là. C'est Dieu qui va m'humilier devant tout le monde. Moi, je ne demande à personne quelque chose. Il y a des personnes, ils me font des gestes. Ça n'a rien à voir avec, oui, on doit te payer. Moi, quand quelqu'un me parle comme ça, c'est fini. Je ne te parle plus. Je ne vais plus te parler. Mais il y a des bonnes personnes. Ils peuvent dire, Damaro, tiens, fais ça. Mais ceux qui pensent qu'ils vont me voir, ils vont me rabaisser. Donc, je fais aussi allusion à l'un de mes grands. Tu vois quelqu'un, à chaque fois vous vous asseyez, deux fois vous mangez dans le même restaurant, vous vous saluez dans le respect. Il vous dit grand chaque fois. Il y a des gens qui veulent me voir, qui veulent me saluer. Moi, demandez l'Interstate. Tous ceux qui étaient là-bas, qui ont vu Damaro, comment j'étais. Tous ceux qui étaient là-bas, qui aiment Damaro. J'étais cool avec tout le monde. Mais tu ne peux pas me dire qu'il y a des gens qui m'aiment, que... Damaro, où est né? Votre Damaro là, c'est lui qui est là. C'est lui qui passe ici même. Nous-mêmes, on s'en fout. Et toi, tu es là à dire, mon petit Imanye, mon petit, tu m'as pas vu. Mon petit, tu m'as pas vu. Tu me manques de respect. Votre Allah Damaro, où est né? Il est bafana koki loko non. Il a mon petit Imanye. C'est ton propre parent même qui te rabaisse. C'est ton propre parent même qui te détruit. Mais celui qui se fout de moi, voilà, je vais multiplier encore. Voilà.
Moi, ici, la personne, moi, là, je ne vais chez personne. C'est pourquoi, même au restaurant, quand je vais, même de l'eau, je ne prends pas de quelqu'un. Parce que c'est les mêmes personnes qui vont venir s'asseoir pour dire, ah, c'est moi qui fais pour lui. C'est pourquoi, même quand quelqu'un m'invite, je travaille, je cherche pour moi. Vous me voyez, je fais mon Uber. Malgré, vous avez tous vu, quand l'autre a voulu qu'Honor Damaro, il fasse ça. Mais les gens, la communauté d'abord, avec des gens que tu vives ici, eux-mêmes, ils vont dire non, non, non. Damaro, que nous, on connaît, non, 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 il n'est pas comme ça. Donc, où est-ce que tu as fait ça? Où est-ce que tu as fait ça? Damaro, Dom. Non. D'ailleurs, même nous, on n'a pas été. La manière dont moi j'ai grandi, en Côte d'Ivoire, et quand tu es petit d'abord, tu vas, tu manges chez les autres. Quand tes amis voient ça, ils vont se moquer de toi. Coco. Nous, on a grandi comme ça. Donc, même manger chez les gens, on ne le faisait pas. Tu peux, même tes amis, on t'invite. Tu ne peux pas. Quand tu manges, on te dit coco. On a grandi avec ces mentalités. Donc, ne voyez pas que quand vous m'invitez. Et l'autre côté aussi, pour dire que je veux être seul. Je veux être indépendant. Voilà. Fano Bayate, ceux qui me disent que non, Damaro, viens causer avec nous. Tu veux causer avec moi, c'est au téléphone. Je ne vais chez personne. Personne ne vous dira ici que, si ce n'est pas mes parents là, ma tante, mes oncles, personne ne vous dira. J'ai dit mes trois meilleurs amis, personne ne te dira que moi j'ai mis pied chez eux. Même quand je vais chez toi, c'est dans la voiture. Je ne rentre pas chez quelqu'un. Même chez mes meilleurs amis, je ne rentre pas chez quelqu'un. Donc, arrivé à un moment donné, il faut qu'on se respecte, quoi. Voilà. C'est moi-même, quand je suis loin des gens, que je suis à l'aise. L'affaire de groupe, vous voyez, sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis tranquille, vous entendez? Mon compte Facebook ici, j'ai fait confiance à des gens, j'ai donné des mots de passe. Ils m'ont pris 25 000 dollars. Le compte, là, j'ai démonétisé. 25 000 dollars, je n'ai rien dit dans tout ça. Donc, c'est quand tu es en contact avec certaines personnes que tu as des problèmes. Mais quand tu évites les gens, voilà, tu as moins de problèmes. Si toi, tu fais ton sérieux, c'est fini. Donc, CNRD, vous allez vous fatiguer. Je suis au courant. Et Doumbouya, concernant Benito actuellement, Benito est sur votre liste. Parce que pour moi, vous avez cherché, quand vous avez cherché à comprendre mes parents, vous voulez tout savoir sur moi. Mais moi, je vous ai dit, je ne souhaite jamais le malheur pour les autres. Moi, c'est le système que je combats. C'est Doumbouya que je combats. Wallahi, tous les ennemis. Konyaka Densusu, Américano, Neka Foko, Aiketulala, Mokundamu, Nekokaku, Aiketonekerela, Wallahi, Aloule Malayato, Naikumata Koroyano. C'est qu'à la cotillante, quoi. Nebofanyanayano. Tous les jeunes Konyankés qui sont là, vous allez vous associer avec ces gens-là. Vous allez moi me combattre. Ou vous allez me faire taire. Wallahi, Ayayereselale. Parce que moi, c'est un système que je combats, les bandits qui sont là. De moi compte là. Ou le système ne compte là. Si vous voulez, je vous ai dit, essayez. Essayez seulement. Le premier qui a fait, le résultat, c'est parti où? Moi, je n'ai pas de problème. Donc, qu'on a qu'à demain, ils n'ont qu'à vous appeler. C'est le groupe de Amara. Ils n'ont qu'à vous appeler. Ah, Damaro, voilà. Ate, ah, Kumala Watibe, moi, je compte là. Aïkodokala, aïkodokena. Alou le maluato yano. Ou kat alou le kelakono. Sinon, Amérique, Djamanale, démocratie, Djamanale. Moi, je ne vais jamais insulter la maman de Amara. Je ne vais jamais insulter les parents de Doumbouya. Je vais critiquer. S'il achète des maisons pour ses parents, je vais montrer aux Guinéens. Parce qu'ils ont menti. Ils ont tout dit sur le pouvoir des autres. Mais aujourd'hui, les bandits sont en train de construire à longueur de journée. Voilà. Donc, arrivé à un moment donné, arrêtez un peu. Le Tesla n'a pas. Voilà. Benito aussi, rien ne va l'arriver. Tant qu'il ne prend pas de l'argent avec quelqu'un pour venir ici faire des vidéos. Rien ne va arriver. Moi, je vous ai dit, Wallahi, rien ne va me faire reculer dans ce combat-là. Vous saviez, si vous deviez me faire peur il y a longtemps, vous avez gâté deux voitures, vous êtes venu, je ne sais pas. Si c'était mon colocataire lui-même qui a fait le jeu, d'ouvrir la porte pour me faire peur, mais Wallahi, ça ne me fait pas peur. Je vous ai dit, tant que vous essayez même de faire quelque chose, c'est là, moi-même, je multiplie, je dis que voilà, ça vous fait mal. Tant qu'elle est au Kela. Je lui ai demandé Doumbouya. Lui-même, il m'appelle le fou. Doumbouya, lui-même,
Il dit à ses collaborateurs que moi, je suis fou, que de me laisser tranquille. Mamadi Doumbouya lui-même. Parce que lui-même, il a compris que non, rien ne peut m'arrêter. Mamadi lui-même, il sait, tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Il a trahi le président Fakonde. Est-ce que ça, c'est pas vrai? Il a tué les gens le 5 septembre. Est-ce que ça, c'est pas vrai? Il a l'envie de rester au pouvoir. Est-ce que ça, c'est pas vrai? Il a fait le mal à tout le monde, comme aujourd'hui. Il est incapable de diriger la... Mamadi Doumbouya sait que tout ça, c'est la vérité. C'est pourquoi il m'appelle le fou. Donc, lui-même, il sait que tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Donc, vous qui êtes là, là, vous allez vous fatiguer. Wallahi, vous allez vous fatiguer. Moi, c'est quand vous m'attaquez même, quand des gens viennent m'insulter dans mon inbox, voilà, je dis voilà. Là, ça devient de la motivation pour moi. Je fais autant de vidéos. J'étais assis tranquille. Je ne voulais même pas faire de vidéos. Mais comme les grands l'ont dit que moi, je me prends. On m'appelle ici à Philadelphie. Je ne vais pas chez quelqu'un. Je vais aller pourquoi? Pour aller faire Nafigia. Je vais aller ici aux États-Unis. Je vais aller chez vous pour aller dire quoi? Pour aller faire Nafigia. Je ne vais chez personne, je vous ai dit. Je n'ai pas ce temps-là. Voilà. Je n'ai pas ce temps-là. Amitié, là. Je n'ai pas ce temps. Au téléphone, ça suffit. Appelez-moi, mon petit, ça va? C'est comment? Tu vas bien? Ça me suffit. Moi, je sais chez qui je vais ici aux États-Unis. Je peux me déplacer, aller saluer des grands. Ça, je peux le faire. Mais ceux qui veulent que moi, j'aille coûte que coûte chez eux, là, je ne vais pas. Yep. Surtout ceux de Philadelphie, là. Parce que la majorité, c'est des vendus. Voilà. Je parle de ceux qui veulent me forcer à aller chez eux. Parce que nous sommes déjà au courant. Il y a beaucoup d'éléments de Doumbouya qui sont aux États-Unis ici. Les 1600 passeports de service, beaucoup sont venus, plus de 600 aux États-Unis ici. Et ils sont là, ils sont en train de préparer tous les plans. Benito, comment faire tomber Benito? Comment faire tomber Damaro? Wallahi, vous n'allez pas. Altena, c'est là qu'elle a fait. Nine mol le tonyola, ala dina maloya benyakoro, nite mol le tonyola. Vous ne pourrez rien faire contre moi. Rien du tout. Par la grâce d'Allah. Vous ne pourrez rien contre moi. Bon, l'armée guinéenne, je vous ai parlé chaque fois, mais vous ne comprenez pas. Je vous ai toujours dit que Mamadi Doumbouya, lui-même, il a peur aujourd'hui. Mamadi sait qu'à tout moment, on peut lui faire l'affaire. Je vous ai dit ça maintes fois. Regardez les enfants qui viennent de recruter aujourd'hui. Vous les commandants, vous les officiers de l'armée. Regardez les enfants là aujourd'hui. Tu as affaire à leur famille. Ils sont comme des généraux. Les éléments des forces spéciales. Leur prime aujourd'hui, $3 000. Près de 30 millions. Ils sont bien payés que vous. Ce sont des escadrons de la mort de Mamadi Doumbouya. Des gens courent pour garder son pouvoir. Tant qu'eux, ils sont à l'aise, ils s'en foutent du peuple. Comme disait Feu Thomas Sankara, père à son âme, qu'un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Mamadi Doumbouya et ses éléments, c'est ça. Vous, les soldats, vous, les patriotes, vous, les militaires patriotes, vous qui avez servi ou qui avez choisi l'armée par amour pour défendre votre patrie, vous êtes assis, un bandit comme Mamadi Doumbouya, à travers un petit clan, un petit groupe. Regardez sa politique. Il vient, les forces spéciales qui ont été créées pour lutter contre le terroriste n'ont jamais mis pied au Mali. Il s'est servi de ses enfants pour détruire le pouvoir de son bienfaiteur. Au-delà, les éléments qui l'ont aidé à prendre ce pouvoir, il les a tous détruits. Où est aujourd'hui Alia Camara? Où est Lama aujourd'hui? Où sont les Mouriba? Tous les officiers militaires, même Saliba, qui a dissuadé les jeunes du camp de Kindia pour descendre à Conakry pour défendre le pouvoir du président Fakonde. Ils sont tous où aujourd'hui? Où est Namouri, le chef d'état-major? Où est Namouri aujourd'hui? Vous êtes assis. Continuez.
Continuez. Hein? Je vous ai dit, aujourd'hui, vous allez dire que, ah non, moi je suis préfet, moi je suis commandant, moi je suis ministre. Biloy. Un commandant peut devenir un lakoudou quand il y a changement. Un ministre peut devenir zéro. Où sont nos anciennes dignités aujourd'hui? Où est Dadis aujourd'hui? Les hommes forts, les Claude Pivi, ils sont où? Donc c'est pour vous dire que si vous ne défendez pas l'intérêt du peuple, arrivé à un moment donné, il y a des jeunes qui vont se lever, qui vont se révolter. Et là, vous allez tout perdre. L'honneur, tout ce que vous aviez. Regardez Mamadi Doumbouya. Vous pensez qu'il est bête? Des gens qui ont critiqué le pouvoir du président Alpha Condé ici. Tout dit, le diabolisé. Les Mandian Sidibé, les Youssouf Boundou, les Moussa Moïse. C'est-à-dire le bar café au complet, le bar café de Guirassy au complet. Hein? Bar café au complet. Donc, ce bar café, les journalistes là aujourd'hui, tous ceux qui étaient influents du côté du RPG comme du côté de l'UFDG, les Ousmane Gawal, les Changel, tous ceux qui étaient à côté de Ella Seloudale, ils les ont récupérés. Du RPG, ils les ont tous récupérés. Pour tromper le peuple. Pour tromper le peuple. Sinon, Mamadi, nous le savions tous que c'est un tonneau vide, c'est un vaurien. Il ne peut rien faire pour ce pays. Regardez aujourd'hui l'économie guinéenne. Vous, les militaires, regardez aujourd'hui l'économie guinéenne. Même Lansana Conté n'a pas dilapidé nos biens comme ça. Mais regardez Mamadi aujourd'hui. Il fait tout ce que veut le colon. Vous êtes assis. Je préviens les Guinéens. Vous allez dire que Damaro l'a dit. Si Mamadi Doumbouya a reçu sa mission à se maintenir au pouvoir, Bilay, soit petit, ils vont boycotter, soit petit. Parce que tout le plan, ils ne veulent jamais que la Guinée puisse aller de l'avant. Pour ne pas que les Ivoiriens, les Sénégalais disent « Ah, les Guinéens, ils ne sont pas dans le franc CFA, ça va bien chez eux. » Ça va bien chez eux. Vous n'êtes pas que les Ivoiriens la disent, non, la Guinée, ça va. Comme l'a dit le président Alpha Condé, coupons le cordon ombilical avec la France. Et c'est pourquoi ils ne veulent jamais que ce pays-là aille de l'avant. Et c'est pourquoi je vous interpelle là-dessus. Billoy, si on ne fait pas attention, sois petit. Parce que si, une fois que sois petit est terminé, nous pouvons transformer la bauxite. Et les revenus de l'État vont augmenter. S'ils font 100, ils vont faire 300 ou 400. Ils pourront faire beaucoup de choses. Et ça, ça ne les arrange pas. Parce que si la Guinée dépasse la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ceci-là risque de quitter le franc CFA. Ceci-là risque de se révolter aussi contre la France. Et ça, ça ne les arrange pas. Comme nous, nous avons dit non. Et je vous dis, voici le pion qu'ils ont aujourd'hui. L'enjeu, asseyez-vous. Hein. Les militaires, asseyez-vous. Vous voyez déjà, vous avez des difficultés. De paiement, vous attendez jusque le combien pour être payé? Au temps du président Alpha Condé, 23, 24, 25. Mais asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui est dans le regret. Beaucoup ont traité le président Alpha Condé de tout ici. Et là, c'est le président le plus riche au monde. Ils l'ont calomnié ici. Il a des comptes. Les Mamadi Doumbouya, ils ont pris des experts français, fouillés partout dans le monde. Ils n'ont rien trouvé. Le président, c'est le président Alpha Condé, c'est le président le plus riche. Il a pris la richesse là. Où hein? Le Guinéen était là à mentir, à calomnier. Les proches du président Alpha Condé aujourd'hui sont en train de pleurer. Il n'y a rien. On a tous vu ici Adia Nantou Chérif, qui était logé dans les bâtiments de l'État, qu'on a viré devant tout le monde. Ah, le Guinéen, je vous ai dit, wallah, le péché du président Alpha Condé va frapper encore des gens ici. Va encore frapper beaucoup de personnes. J'avais dit ici, quand tu veux prier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prier Dieu. Ce qui est bon pour moi, fais ça. Mais Dieu, il faut détruire telle personne. Il faut détruire telle personne, non. Mais prier ce qui est bon pour nous, c'est ce que nous devons faire. Nous savions tous que ce sont des bandits, mais on prie ce qui est bon pour nous, qu'Allah fasse cela. Et Dieu va, c'est ce que Dieu va faire. Mais si des gens étaient là hier, ah non, président Alpha Condé, il n'est pas bon, il est contre, il est ceci, cela, voilà.
J'ai vu la réaction aussi de certaines personnes, la sortie de Dia Oupak. Vous savez, je l'ai toujours dit, d'autres n'ont pas compris la politique, ils veulent faire de la politique. UFDG et moi, vous savez que c'est une longue histoire. J'ai mis toute personne en défi. Parce que des gens qui n'aiment pas Damoro, ils peuvent raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui ont dit, c'est que moi j'ai insulté les peuples moutons. Allez-y chercher toutes mes vidéos. S'il y a une vidéo, moi Damoro, j'arrête de faire les vidéos. J'ai toujours dit, les militants de l'UFDG qui venaient m'insulter, des injures graves de merde, j'ai dit, ce sont des moutons. J'ai dit toujours, les militants de l'UFDG qui m'insultent, ceux qui m'insultent, j'ai toujours précisé ici. Mais ils sont venus ici dire tout. Damoro a dit les Français de l'abbé. Ça même c'était ironique, je me moquais seulement. Dire à quelqu'un Français de l'abbé, c'est quoi? Ça c'est un jure encore. Je vais dire ça ici. La partie où j'ai interpellé les Alpha Isiaga ici, les Tidjane, j'ai dit à chaque fois, il y a des victimes du parti UFDG. Arrêtez de dire, c'est les peuls. Mais d'autres n'ont pas compris. Je les ai dit, ils n'étaient pas bien dans la tête. Je vais dire ça. Ok, Boubasso, toi tu es banni. Comme tu ne comprends pas le français, je t'ai banni, je ris pas. Donc, je vais dire, s'il y a des victimes, disons les victimes de l'UFDG. Je les ai dit, j'ai dit, beaucoup de Guinéens allaient se voir dans le combat, mais ils n'ont pas compris. Ils ont cru que c'était le président Fakonde. Dieu sait faire les choses. Hein. Ceux qui étaient les conseillers militaires, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Ceux qui étaient les hommes de confiance du président, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Si vous réfléchissez, vous allez bien comprendre que tout ça s'était fait exprès. Ils savent que, qu'on le veuille ou pas, la Guinée, c'est quatre régions naturelles. Le fief du RPG, c'est la Haute-Guinée. Le fief de l'UFDG, c'est la Haute-Guinée. Personne ne peut contester ça. Pour être clair, pour dire que RPG, la majorité, c'est les Malinké. Ça aussi, on peut dire. Pour dire UFDG, la majorité, c'est les Peuls, on peut le dire. Mais il y a la manière de faire la politique. Lorsque je vous disais, arrêtez de dire les victimes de l'UFDG, c'est les Peuls. J'ai dit même le Peul qui s'en fout de la politique. Il va avoir de la haine. Je vous ai rappelé de tout ça, mais ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a certains, quand tu dis tu n'aimes pas Selou, et là Selou d'Alain, ils vont dire non, toi tu es contre les peuples. Quand tu critiques l'UFDG, ils vont dire pareil. Hier j'ai dit ça, les gens m'ont traité de tout, tu es contre les peuples. Mais aujourd'hui, beaucoup comprennent ce que j'étais en train de dire. Et là Selou d'Alain est venu ici, je suis allé. Si j'avais insulté et là Selou d'Alain, je l'ai qualifié, je l'ai critiqué politiquement. Et lui-même, il a compris. Ça, c'est de la politique. Donc, c'est pourquoi je dis à certains, il y a certains sujets, il faut faire beaucoup attention. Le sujet de Dia Oupak, condamné, mais limitez-vous, ne parlez pas trop. Je l'ai dit, même chez nous, de l'autre côté, le fou qu'il y a à Cancan, là, il dit pire que Dia Oupak. Il dit pire, le fou qu'il y a à Cancan, là. Lui, il dit pire que Dia Oupak. Mais comme vous savez, Charles Wright, c'est quelqu'un qui aime se faire voir. Je ne suis pas contre sa décision d'arrêter Dia Oupak. On peut faire la politique, on peut se critiquer, on peut tout dire. Mais le problème ethnique, et c'est ce problème que j'ai avec certains de Doumbouya. C'est pourquoi c'était des grands avant, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que eux, c'est l'esprit communautaire qui les anime. Voilà. C'est l'esprit communautaire qui les anime. Amadou Barry, tu as parfaitement raison. Si le président Alpha Condé avait un peul, chef d'état-major, Billoy, il n'allait pas le trahir. S'il avait un sous-sous chef d'état-major, Billoy, il n'allait pas le trahir. S'il avait un forestier chef d'état-major, il n'allait pas le trahir. Voici le papa de Amara. C'est pourquoi les jeunes Konyanké qui parlent, moi je ne les écoute même pas. Le papa de Amara était ici. Il y a des gens qui ont fait des rêves. Il y a des gens qui sont venus le voir. Hey, le pouvoir est dans tes mains. Nanani, nanana. Malgré que Lansana Conté était mourant, paix à son âme.
le papa de Amara, il n'a jamais pensé un jour, il pouvait faire le coup d'État. Il n'a jamais pensé, ça pouvait être comme à l'époque, le RPG qui était opposé, les gens allaient danser. Mais le papa de Amara n'a jamais pensé un jour à faire le coup d'État au feu général Lansana Conté. Quand je vois des maudits viennent moi me parler que moi, de soutenir Amara le traite, des gens qui ont tué des gens le 5 septembre, qui ont trahi celui qui les a grandis. Ils ont mis Amara au Nyonfou ici. Il était quoi devant les dadis là? Donc, moi je vous ai dit, c'est pas question d'ethnie ou quoi. Personne n'a trahi le président Fakonde. C'est les malinqués qui ont trahi le président Fakonde. Ceux qui ont trompé le président Fakonde, oui. Il y a des gens, on les a nommés par affinité. Ils ont menti au président Fakonde. Leur plan ethnique, là, les Kouyaté, les Komara et le groupe des Doumbouya, là, depuis longtemps, ils ont préparé. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de voir que Dia, le président Fakonde, c'est lui qui était là pour la Guinée. D'autres ont tout fait ici, le régime du président Fakonde, pour appauvrir certains. Pour appauvrir certains. Mais le président Fakonde, vous avez tous vu, les Diallo Sadaka, les Sonoko, là, leur usine au départ et maintenant. Le président Fakonde n'a jamais voulu gâter l'intérêt de quelqu'un. Mais ces gens-là ont tout fait. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de voir clair dedans. Ceux qui avaient des usines, on les a subventionnés ici pour pouvoir créer plus d'emplois ici. Mais quand j'ai parlé à d'autres, ils n'ont pas compris. J'ai dit, vous ne connaissez pas Mamadi, vous allez comprendre. Qui était le président de chambre de commerce au temps du président Fakonde? Donc quand je vous parle souvent de faire beaucoup attention, de réfléchir, vous allez bien connaître le groupe des Doumbouya. Vous allez bien connaître le groupe des Doumbouya. Vous allez comprendre, déjà le président Fakonde était votre porte-bonheur. Wallahi, vous allez comprendre ça après. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Théophile Loi, le général pakistanais, il n'y a pas de problème, mon frère. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis le seul général en Guinée. Tout le reste, ce sont des lakoudous. Vous avez vu les Sadiba. Le seul général dont Doumbouya a peur aujourd'hui, c'est moi. Parce que le bandit ne dort pas à cause de moi. Donc, Alpha Mamadou, en tout cas, personne n'a vu Alpha Condé en train de tuer Doumbouya, tout le monde a vu. Non, ah, mon frère, tu sais, quand tu vas parler à des gens, ils ne vont pas comprendre. Moi, j'ai dit, Wallahi Bilay, je préfère El Hassan Dalé, président de la Guinée, que Mamadi Doumbouya. Bilay, on met Mamadi Doumbouya et El Hassan Dalé. Bilay, je vote. Parce que vous savez que oui, moi, je soutiens déjà un parti et j'ai déjà un candidat. Mais si c'est pour enlever, pour mettre El Hassan Dalé, Mamadi Doumbouya, Billahi, je vais être le défenseur de El Hassan Dalé. Mais c'est ce que certains de nos parents n'ont pas compris. Hein? Ils sont animés que de l'esprit communautaire. Après, ils disent qu'ils sont musulmans. Après, c'est eux qui disent qu'ils sont musulmans. Koslama l'a dit, mais Soukoye Aloudj Soukouna. C'est pourquoi nos imams là, si vous voyez que ce pays là n'avance pas, c'est que les imams même ne sermonnent pas bien. Billahi, les imams ne sermonnent pas bien. L'affaire ethnique est devenue un problème sérieux en Guinée. Chacun ne défend que le candidat de sa communauté. C'est ça le gros problème. Quand vous prenez le parti de Sidia, la majorité bascote. Quand vous prenez le candidat du RPG, la majorité est Haute-Guinée. Quand vous prenez l'UFDG, la majorité Fouta. Quand vous prenez le parti de Faya aussi, c'est pareil. C'est pareil. Et c'est ce que nous devons combattre aujourd'hui en Guinée. Si vous voyez que nous, là, on a dit après le président Fakonde, nous les combattants, là, si ce n'est pas quelqu'un d'autre, là, moi j'ai dit RPG, là, je prends pause, je ne suis plus dedans. Après le président Fakonde, si c'est un malinqué que nous, on doit choisir, au niveau du RPG maintenant, Billah et moi, Damaro, je ne suis pas partant. Je l'ai déjà dit maintes fois et je le répète maintes fois.
Parce que nous voulons ce changement-là. Nous voulons que ça s'arrête à un moment. Que les gens, l'affaire d'ethnie, là, qu'on se débarrasse de ça. Celui qui peut faire, celui qui peut nous avancer le pays, prions Dieu qu'Allah nous donne cette personne. Mais tout en l'esprit communautaire, mon parent s'est rentré, s'est sorti. C'est pourquoi ce pays-là n'avance pas. On a tout. Si vous voyez que des vauriens comme les Mamadou Doumbouya, des vauriens comme les Amara, des vauriens comme les Bala, ils viennent, ils prennent le pouvoir. Billahi, c'est parce que on se contredit. Allah soso barawara la jamana kono. Allah est massa djoule talaka bla ankuna. Massa mi tre hinela. Présent fakone. Atre hinela, atre slana. Mais moi, l'oumanyaye. Alko kono ko massa djoule we. Aya la ko bebana ka voyage ke kanaka jamana la dan. Mo foufa foulu, mo kuntan luyena. Ka djamfa ke ola. Et pe ki kafa djamfa okoka. Voici encore un grec, je ne vais pas trop parler. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait en forêt? C'est ça le problème chez vous. Le problème communautaire qui était là-bas, depuis le temps de feu général Lansana Conté. Toi, Théophile, c'est ça le problème. Vous, les catalyseurs. Il y avait combien de ministres forestiers dans le gouvernement du président Alpha Condé? Les PV, tous ces gens-là étaient là. PV, on l'avait envoyé en forêt là-bas. C'est vous les catalyseurs. La forêt, il y a eu l'interconnexion quand il y a eu le coup d'État. C'est vous les catalyseurs. Le problème communautaire entre les Guerzé et les Konyanké, ça a existé depuis longtemps. Ils ont cohabité ensemble depuis très longtemps. Moi qui vous parle, ma maman et ma grand-mère paternelle, elle vient de Ziama, elle est forestière. La femme de mon oncle, elle a Yaya que tout le monde connaît. Quand il y avait ces conflits auparavant, il était médiateur à chaque fois. Paix à son âme, elle a Yaya à Zérekouri, en Dorota. Il a épousé une forestière. Mais c'est vous les catalyseurs. Ce problème a toujours existé. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais certains ont voulu politiser. Qu'est-ce que le président, le parti même du président Fakonde, c'est pas à Lola. Le RPG, c'est pas à Lola, ça a commencé. C'est pas des forestiers qui ont commencé. Et les peuls, le RPG. Et vous venez tout en train de politiser tout en Guinée. C'est ça le problème. Vous les catalyseurs. Il y a eu ce conflit. Il y a eu des pertes en vies humaines partout. Hein? Il y a eu des pertes en vies humaines partout. Qu'il vient s'asseoir à cause des fausses communes. Continuez dans vos bêtises. Continuez. Quand Doumbouya est venu, ils n'ont pas pris les personnes influentes. Vous manipulez. Je vous ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit pour Dadis ici? Où est Dadis aujourd'hui? Le président Alpha Condé était là. Malgré tout, lui, il voulait qu'il y ait des audiences foraines, des assises pour le bien du pays. Non, on dit non, non, non. Mamadi est venu, non? Les lamas qui se tapaient la poitrine, ils sont où aujourd'hui? Les Mouriba, ils sont où aujourd'hui? Les Claude Pivi, qui ont vu le coup d'État venu, qui sont restés inactifs, ils sont où aujourd'hui? Vous pensez que c'est au président Alpha Condé qu'ils ont fait le coup d'État? Le courant, là, qui a l'interconnexion, c'est pour le président Alpha Condé. Les barrages qu'à l'État soit petit, c'est pour le président Alpha Condé. Les réformes qu'il a eu à faire, c'est pour le président Alpha Condé. Les 1,5 milliard de dollars qui étaient au trésor public, c'était sur le compte du président Alpha Condé. C'était pour le peuple de Guinée. Mamadi est venu, il n'a pas tout dilapidé. Les Guinéens qui travaillaient, qui étaient payés, les 14 500 personnes, c'était des travailleurs du président Alpha Condé. Ce n'était pas des Guinéens. Le président Alpha Condé est parti. Aujourd'hui, tout ce qu'il était en train de faire comme bien là, c'est où? Donc quand vous venez instrumentaliser vos parents, dire des bêtises. Hein? Bon, regardez, c'est ça vous les catalyseurs. D'ailleurs même je te bloque ici. C'est ça le problème chez vous. Vous les catalyseurs. Le dernier gouvernement du président Alpha Condé. Va voir le dernier gouvernement avant de venir ici, vous les catalyseurs. Continuez dans vos bêtises. Hein. Continuez dans vos bêtises. C'est ça. Ça dit, il y a quelque chose, on résume à toute une communauté. Continuez vos bêtises là. Vous allez bien connaître Mamadi. Vous n'avez pas dit que c'est lui le sauveur. Vous allez bien connaître ce bandit là. Vous ne le connaissez pas d'abord. Le recrutement aujourd'hui, non. Tout le monde est en train de pleurer, non. Ah Mamadi, ils sont en train de prendre leurs parents. Non, non, non.
Tout ce que Mamadi fait, le président Fakonde n'a pas fait, non. Oh, Mamadi est en train de bien faire. Vous n'avez rien compris d'abord. Il est en train de nommer ses amis. Non, non, non. Le président Alpha Condé, son fils unique, Mohamed, c'est un intellectuel. Il ne l'a pas nommé. Mohamed était derrière juste son père. Son fils unique. Mais on disait tout ici. Le président le plus riche, sa famille. Personne n'a vu Mohamed dans une voiture de luxe. Yep. Personne ne l'a vu dans une voiture de luxe. Donc, mais chaque fois, les gens étaient là à raconter des histoires. Les gens étaient là à raconter des histoires. Et Mohamed, le fils du président Alpha Condé, il est en train de bouffer. Personne n'a vu Mohamed dans une voiture de luxe, Dolce & Gabbana, ou bien des habits, vous allez dire, ah non, le fils du président. Je vous ai dit, vous allez chercher, vous allez tout faire. Le président Alpha Condé, vous allez chercher partout. Le matériel, non, vous n'allez pas l'avoir là-bas. Vous allez chercher ailleurs. Mais regardez Mamadi aujourd'hui, son entourage. Regardez Mamadi, son entourage. Donc, renforçons l'unité nationale. Le mérite, ceux qui méritent, il faut les nommer. Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il ne fait que nommer les tonneaux vides. Agne ou le Fola, Agne Suyon Yakobo Andjusukuna, Fla Manika Kokumani Fenguru, Agne Abo Andjusukuna. Et Allah y recolle, Kosla Madem Bekama. Et Allah Kanna Djamanake, 90% Slama Djamanali. Un frère chrétien, un de ces vivilla Djamanakona. Mais c'est Bekole quoi Allah, Alouko Allah, Alouko Allah. Maintenant, Kato, Anasuko Keremina. Toi, tu n'aimes pas pour ton prochain. Comment Dieu peut te donner? C'est ça le problème de la Guinée, c'est pourquoi la Guinée n'avance pas. Dieu dit partager entre vous là-bas. Mais toi tu es là, tu ne veux pas que l'autre puisse réussir. Nyamboya Buruma. Toi tu es malinqué, toi tu es peul, je suis contre. Comment Dieu? Hein? Donc c'est pour vous dire, Agne Nyamboya Buruka. Wallah, ni Fla le Séné, Alamabla Lankuna. Ni Manka le Séné, Alamabla Lankuna. Ni Forestier le Séné, Alamabla Lankuna. Ni Soso le Séné, Alamabla Lankuna. Mais quand tu signoya Kéremino, il y a bras d'or, à Kuma Fla, et Fla, ante Fla la Masayafe, Ibra Fla de Fono Kamena, ante Manka la Mankafe, et Masayafe, Ibra Forestier de Manka, ante Fakar Salamanka, et Masayafe. Comment est-ce que Dieu peut avoir pitié d'un pays comme ça? Il vous dit que vous êtes tous pareils devant lui. Ceux qui respectent ce que lui il veut, voici des gens, les bien-aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, non, non. Nous, on ne veut pas céder. Moutana Signoya Guérinetou. Jim manke mura fama fule mura fama foresie mura fama ala ita malima di ala naga wa obore rafa. Mais on veut pas. Il y a des peuls aujourd'hui qui font du bien pour un malinqué. Il y a un malinqué qui fait du bien pour un peul. Il y a un forestier qui fait du bien pour un soussou. Il y a un soussou qui fait du bien pour un forestier. Ça ne finit pas. Au lieu de renforcer cela, on est dans des futilités inutiles à faire d'ethnie. C'est pourquoi ce voyou, ce vaurien est venu se flanquer Kodja Oupak. Mais moi, je vous dis, lui, c'est un fou. C'est un fou, même regardez-le. Lui, en principe, on doit attacher son pied, ses bras, pour vraiment, on doit mettre une corde au cou. Parce que c'est un fou. Je vous ai dit, c'est un fou. Kodja Oupak, c'est un fou. Des gens qui vont se droguer viennent s'asseoir et raconter des salades. Donc, merci à tout le monde. Alaman de maintenant, Alamatien de maintenant, merci à tous ceux qui prient pour moi. Voilà, Allah Barakalo, Njoulou, Alte Naselama. Lamin Diakite, merci. Abbé Marouane Piano, merci à vous. Lansana Drame, merci à vous. Mfali Kako, merci à vous, mon frère. Voilà, merci à Mohamed Fofana. Merci à Folisori Fofana. Merci à Malik Samoura. Merci à Ibrahim Abba Fofana, merci à vous. Suleiman Kira, merci à vous. Zako, merci. Non, Zako, des fois, je vous ai dit, si je ne fais pas de direct, je suis occupé. Voilà, tout va bien chez moi, alhamdoulilah. Mohamed Sam Kamara, merci à vous. Merci à Lorraine Haba. Mon frère Koivogi depuis la France, Yakuba Fanta Koulibaly, merci à vous. Fanta Konate, merci à vous. Ousteso, merci. Ramadan Ba Sentouba, merci à vous. Merci à Ibrahima Nankaba
Condé, merci. Balde Alassane, merci à vous. Le combat continue. À bas les putschistes, à bas ces narcos, à bas les traites. Lamine Diakité, merci mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous. On est ensemble. Bonne soirée et Inch'Allah, on se reprend encore demain pour le combat aujourd'hui.